Chers Sokinoises, chers Sokinois, j'ai été forgé avec cette conviction que nous formions une grande nation. Un pays à part, capable du meilleur, mais aussi construit sur de nombreux paradoxes. Un pays qui pèse sur la scène internationale. Un pays que l'on écoute. Un pays qui sait se montrer sage dans les heures les plus graves. La force de la France pour se redresser a toujours été de retrouver l'unité autour des valeurs républicaines. Celles qui font la fierté des Français. La liberté, l'égalité et la fraternité. Parce que nous chérissons la liberté, la France est un pays qui accepte toutes les fantaisies et les formes d'expression. Terreau indispensable de la créativité, de l'inventivité. Parce que nous chérissons l'égalité, nous bénéficions d'un droit d'accès gratuit et sans discrimination à l'éducation, à la santé, aux services publics. Parce que nous chérissons la fraternité, nous sommes capables de nous unir pour défendre des nobles causes, pour redonner de l'espérance à ceux que la vie n'a pas épargnés. Je demeure convaincu que c'est autour de ces valeurs que nous sortirons des crises que nous traversons. Crise sanitaire, crise écologique, crise économique et sociale. Plus que jamais, nous ressentons le besoin de liberté. Plus que jamais, nous devons avoir l'exigence d'égalité. Plus que jamais, nous avons besoin de fraternité. Ces valeurs constituent le socle de notre engagement, le socle des actions que nous menons depuis juin 2020, date à laquelle vous nous avez fait confiance pour donner en votre nom, durant 6 ans, les orientations de la ville. Nul n'ignore que nous sommes au beau milieu d'une crise inédite. La crise Covid, que personne ne pouvait imaginer il y a encore un an, a accru les inégalités. Elle bouleverse durablement notre économie et met en péril notre tissu commercial et artisanal. Les risques de reprise de la pandémie ne sont pas aujourd'hui à exclure. Dans ce contexte de tensions sanitaires que nous connaissons depuis des mois, je tenais à remercier une fois encore l'ensemble des personnels soignants et accompagnants de nos hôpitaux, dans les EHPAD, les médecins, les infirmières, les auxiliaires de vie, et toutes celles et ceux qui ont porté haut la noblesse de leur mission, en apportant les soins et l'attention nécessaires aux malades du Covid ou aux familles endeuillées. De nombreuses familles sont touchées et subiront durablement les effets de cette crise. De nombreuses entreprises, des commerçants, des restaurateurs, souffrent pour retrouver une situation financière leur permettant de vivre de leur travail. Avec les élus du conseil municipal, tous les élus, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition. Nous avons travaillé ensemble aux décisions qui, espérons-le, ont pu permettre de traverser un peu mieux cette crise subie par tous. Il était important qu'en cette période, les élus puissent montrer l'exemple, chercher ensemble des solutions sans tirer la couverture vers soi, sans vouloir faire le buzz ou alimenter systématiquement des polémiques au risque de diviser toujours plus. Là où nous avons besoin d'unité, c'est ce que nous avons tâché de faire, en toute humilité. Grâce à ce travail de concertation, nous avons ainsi réactivé le numéro vert pour accompagner les personnes isolées ou vulnérables. Nous avons apporté notre aide aux commerçants par la mise en œuvre d'une plateforme de vente en ligne, par la mise en œuvre de drive ou de chéquiers commerce de proximité. Nous avons voté la gratuité de la cantine scolaire pour aider toutes les familles. Nous avons distribué pour nos seniors les colis de Noël, distribué les coquilles, des livres et des masques pour les enfants scolarisés. Je tenais ainsi à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de ces mesures, essentiellement les agents de la ville qui, il est important de le rappeler, ont chacun pour unique volonté de rendre le meilleur service au public, de servir tous les Sokinois. Unis, nous sortirons de cette crise. Unis, je suis convaincu que nous sortirons plus fort encore de cette période désastreuse pour nombre d'entre nous. Bien des défis nous attendent et nous nous y préparons. Sans attendre, avec Christian Baclay, premier adjoint en charge des finances et du personnel, et Pierre Legrand, délégué au marché public, nous travaillons à la réorganisation de nos services pour tenter de les rendre plus efficaces, apporter des solutions plus pertinentes, moins coûteuses aussi, et ainsi trouver demain les leviers financiers pour mener à bien notre politique ambitieuse pour ce clan.
parce qu'il y a urgence à agir avec Stéphanie Godefroy, adjointe au développement durable et à la transition énergétique, et David Weksten, délégué à l'Agenda 21, nous portons désormais un regard écologique transversal sur le fonctionnement de nos services. Nous obtenons déjà des résultats importants pour éviter le gâchis alimentaire dans les cantines scolaires par un système efficace de réservation des repas. 2021 verra le plan revégétalisation de la ville se décliner. Ce regard transversal à tous les services est également porté par Didier Vandenkerkov, délégué au droit, à l'autonomie et à la sensibilisation au handicap. Après l'organisation du Téléthon cette année, 2021, c'est en partenariat avec un agent spécialement missionné sur le handicap que nos politiques d'inclusion verront le jour. Avec Amandine Massé, adjointe au parcours éducatif, Francine Frère et Daniel Lécroire, respectivement délégués à la jeunesse et à l'insertion. Les actions ont été portées en cette période pour sécuriser l'accueil des enfants au sein des établissements scolaires, des cantines, des centres de loisirs. 2021 verra le plan de soutien scolaire se décliner en collaboration avec les enseignants. Dès leur prise de fonction, Olivier Lemaître, adjoint à l'urbanisme, à la mobilité, aux travaux et à la qualité des espaces publics, et Hervé Carlier, délégué au logement et à la relation bailleur, ont rencontré les promoteurs immobiliers pour décliner nos orientations articulées autour d'un urbanisme raisonné et sur un plan de réhabilitation des logements indignes. Les résultats commencent déjà à se faire sentir. Sur la question de la mobilité, il faudra du temps pour sortir de l'engorgement. Mais nous ne lâcherons rien. 2021 sera l'année de démarrage des grands projets ou des études sur le parc de la Ramie ou de la salle des fêtes, complètement réaménagé pour accueillir dans de meilleures conditions plus de public. Sans attendre, avec Marie-Chantal Rachet, adjointe à l'action sociale et à l'intergénérationnel, et Roger Mille, délégué aux seniors et aux affaires patriotiques, nous avons œuvré pour assurer la survie de la CARSAT en mairie, plutôt qu'à Villeneuve-d'Ascq. 2021 sera l'année de la mise en œuvre du minimum social garanti pour aider les personnes en dessous du seuil de pauvreté, et la mise en œuvre du dispositif France Service pour garantir le maintien des services publics au plus près des Seclinois. Sans attendre, avec Emmanuel Gouillard, adjoint au rayonnement de la ville, de l'inclusion des Seclinois dans les manifestations et adjoint à la communication, nous nous sommes mis au travail pour redonner à notre ville la dimension qu'elle mérite. Si en raison de la crise, des manifestations majeures ont dû être annulées, 2021, espérons-le, verra leur bonne tenue. 2021 sera également l'année où enfin la ville signera avec les nouveaux propriétaires de l'hôpital Marguerite de Flandre la convention d'occupation de la chapelle, de la salle des malades, du réfectoire et de la cour carrée pour conserver l'âme des lieux. Amandine Rosenberg, déléguée aux relations internationales, œuvre pour que les Seclinois puissent bientôt profiter de la force que représentent nos relations avec des villes jumelées. Parce qu'il y a urgence à sauver le commerce de proximité. Avec Michel Spodbin, adjoint au dynamisme économique et commercial. Comme déjà exposé précédemment, nous nous sommes affairés à mettre en œuvre des dispositifs d'aide aux entreprises et aux commerces qui souffrent. 2021 verra l'arrivée de commerces de proximité sur Burgos, là où ce quartier était commercialement déserté. Dans ce contexte difficile, Didier Serrurier, adjoint à la culture et à la cause animale, prépare la sortie de crise et la revitalisation culturelle de notre ville. Après des mois de désert culturel, il sera indispensable de pouvoir se retrouver à l'occasion de concerts, de représentations artistiques, déclinant le vent de modernité et de créativité que nous voulons offrir aux Seclinois. Sans attendre, avec Cécile Gabrel, adjointe en charge des sports, et Dominique Auguet, délégué au sport santé, nous nous sommes mis au travail pour redéployer les activités sportives autour d'un vrai pôle sportif attractif. En 2021, des études seront menées pour que la salle des sports Duro soit rénovée et puisse accueillir un large public sportif. Amira El Messaoudi, déléguée à la vie associative, travaille d'ores et déjà en collaboration avec les associations à la détermination de critères objectifs d'attribution des subventions municipales. Nous ne perdons pas également de vue notre projet de maison des associations. Dans le domaine de la sécurité, avec Fouad El Ghazi, délégué à la prévention, le diagnostic pour déterminer les lieux de pose de 30 caméras vidéoprotection nous permettra enfin d'envisager leur pose pour sécuriser nos quartiers. Le dispositif citoyen vigilant sera également effectif. Chers Seclinois, chers Seclinois, comme vous le voyez, nous nous sommes mis immédiatement au travail.
Après une année particulièrement compliquée sur bien des aspects, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Que cette année vous apporte le meilleur, imprégné de ce bel esprit républicain orienté autour des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Bonne année à tous.